Je m'appelle Myung Jae-jung, je suis coréen, je viens de Séoul, Corée du Sud. J'avais étudié l'informatique à l'université Dongguk en Corée. Après, j'ai entré ingénieur deuxième année à l'ISTE en 2011. Parmi les quatre parcours, j'ai choisi et étudié le parcours SIE, Système d'information de l'entreprise. C'est OK? Encore? Oui. Je m'appelle Myung Jae-jung, je suis coréen, je viens de Séoul, Corée du Sud. J'avais étudié l'informatique à l'université Dongguk en Corée du Sud et j'ai entré à l'ingénieur deuxième année à l'ISTE. Parmi les quatre parcours, j'ai choisi et étudié le parcours SIE, Système d'information d'entreprise. J'ai entré à l'ISTE par le programme N+C. Quand j'étais arrivé en France, je ne pouvais pas parler français, même pas un seul mot. Donc au début, c'était un petit peu difficile pour moi. Mais depuis que je suis arrivé en France, je prends beaucoup de temps à apprendre le français. Je dois continuer à étudier le français, mais je pense que maintenant, je vais très très bien ici en France. J'aime beaucoup la météo en France. Il ne fait pas très chaud en été. Il ne fait pas très froid en hiver. Je pense c'est super. Et aussi, j'aime beaucoup la cuisine française. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je pense que je suis vraiment content de la vie en France. Je m'ai inscrit à l'ISTE parce qu'elle est grande école d'ingénieurs en France. Elle se spécialise dans l'information, dans le système d'information d'entreprise comme Business Intelligence, ERP ou ingénierie en conseil en management. Et aussi, elle se spécialise dans le système d'information financière. Donc, je pense que le matériel, l'informatique et le matériel management d'entreprise, ce sont les matériels essentiels pour devenir un bon ingénieur en entreprise. Pendant la deuxième année ici à l'ISTE, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai participé à deux projets pour développer les services informatiques pour l'entreprise. Par l'expérience, j'ai appris comment faire pour développer plein de services informatiques en utilisant beaucoup de technologies comme Java, JavaScript, HTTP, HTML, XML, base de données, cloud computing comme ça. Et aussi, j'ai appris comment interpréter des apports d'entreprises financières. Et aussi, je peux calculer le prix revient dans l'entreprise. Je pense que ce sont les compétences que j'ai besoin
dans l'entreprise. Après l'étudier l'ISTI, je veux créer une petite société en France. Et je veux diriger la société pendant les 2 années ou 3 années. Et après, peut-être je peux créer en France, en Corée. C'est ma rêve maintenant. Je me dis bon courage.